God Save the King. Après avoir été couronné roi dans l'abbaye de Westminster le 6 mai dernier, le roi Charles III met les voiles sur l'Écosse. Celui qui a été prince de Galles entre 1959 et 2022 recevra également les honneurs de l'Écosse le 5 juillet prochain à l'occasion d'une deuxième cérémonie qui aura lieu en la cathédrale Saint-Gilles d'Édimbourg. Défilé militaire, cortège royal, couronne, fanfare, une cérémonie en grande pompe attend les Windsor. Reste à savoir si les Écossais seront si enthousiastes que cela devant la pompe anglaise. Nos confrères de la BBC redoutent en effet un événement sous tension. Our Republic et UK Pressure Group Republic, deux entités appelant à l'abolition de la monarchie, prévoient d'organiser un rassemblement près du jardin public The Meadows à Édimbourg, le jour du second couronnement. L'officier de police Tim Mair a mis un point d'honneur sur la sécurité des citoyens lors de l'événement. Notre priorité est la sécurité publique. Un plan de maintien de l'ordre est en place pour maintenir la sécurité des citoyens, assurer le bon déroulement de l'événement et permettre une manifestation pacifique tout en minimisant les perturbations, explique-t-il. Si l'officier reconnaît que faire campagne et manifester est légitime, il condamne tout comportement abusif, menaçant ou perturbant l'événement. Pour la sécurité de tous, les forces de l'ordre écossaises ont prévu une restriction des mobilités ainsi que la fermeture de certaines routes. Charles III et Camilla de retour en Écosse avec le sourire. 40% d'Écossais indépendantistes selon un sondage après le Brexit. L'exit? Le peuple écossais est divisé lorsqu'il s'agit de mettre sur la table le sujet de la monarchie. Selon les chiffres du sondage YouGov réalisé en mars 2023, près de 40% d'Écossais s'inscrivent dans le courant indépendantiste. Rappelons aussi que l'ex-première ministre écossaise Nicola Sturgeon a cédé sa place le 28 mars dernier à Humza Yousaf, chef du parti indépendantiste écossais, SNP, et fervent partisan de l'indépendance de l'Écosse. Alors qu'Elisabeth II a toujours fait en sorte de ménager les Écossais en honorant leurs traditions séculaires, Charles va-t-il réussir à reprendre le flambeau pour éviter que son royaume ne s'amenuise? Crédit photo, agence.